Bonsoir à tous, bienvenue comme chaque vendredi en direct, 18h en ce vendredi 28 février 2020. Bienvenue à vous tous pour cet agenda des Pays de Savoie avec vos différents événements à ne pas manquer durant ce week-end. Juste avant de commencer cet agenda, vous savez, depuis quelques jours, le virus, coronavirus est donc arrivé dans notre région, notamment du côté de la banne de Sillingy, pas très loin d'ici, là où nous sommes actuellement donc en direct. Et de nombreux événements ont été tout simplement annulés. On a justement le premier événement qu'on va donc vous proposer donc tout de suite avec justement donc du côté donc cette fois-ci donc d'Annecy avec cet événement que tout le monde attendait. Vous êtes très très nombreux chaque année, vous êtes des milliers à venir dans la ville donc d'Annecy pour le carnaval vénitien d'Annecy qui donc a été décidé donc par la préfecture de Haute-Savoie, par la mairie d'Annecy et par l'association ARIA 74 d'annuler donc cet événement qui devait se dérouler le 6, 7 et 8 mars par précaution bien entendu, car c'est un très très gros événement. Des milliers de personnes viennent un peu de partout, d'Italie, d'Espagne, de Suisse. Donc voilà, donc c'est une information que vous avez peut-être pu voir sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Donc voilà, donc information donc très important. Le carnaval vénitien d'Annecy est donc annulé les 6, 7 et 8 mars prochains. Mais donc selon le communiqué, il y aurait quand même donc de quelques petits événements à ne pas manquer. Donc notamment donc dans la ville d'Annecy pour donc cet événement, mais par contre le défilé donc des masques sur la rue dans les rues d'Annecy est tout simplement donc annulé. Donc ils maintiennent quand même quelques festivités donc dans les rues d'Annecy. Donc plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de la ville d'Annecy et aussi sur le site de Annecy du lac Annecy Tourisme. Donc voilà, donc une information qu'on a appris il y a quelques heures donc pour l'annulation de ce carnaval vénitien d'Annecy, que chaque année vous pouvez suivre sur nos différents réseaux sociaux de la place du village. Et malheureusement, voilà, donc c'est un peu une information qu'on a appris cet après-midi en raison, donc par précaution, décidée par la préfecture de Haute-Savoie, par la ville d'Annecy et aussi par l'association ARIA 74. D'autres événements aussi qu'on a su il y a quelques minutes, on va quand même vous en parler tout de suite. Avec justement un autre événement qui était annulé cette fois-ci avec le tournoi en salle de foot par le FC Épany Metessi, donc Épany qui se situe pas très loin de la banne de Sillingy en Haute-Savoie. Le tournoi de foot en salle qui devait être prévu ce samedi 29 février est donc tout simplement annulé. Un match donc qui devait se dérouler donc au complexe donc de Soulettraz, donc sur le FC, en communiqué de la page Facebook du FC Épany Metessi. D'autres événements aussi encore organisés dans cette commune d'Épany et donc annulés, notamment le Super Loto qui devait se dérouler demain soir. Donc malheureusement, voilà, donc en raison du coronavirus, donc cet événement est également annulé donc du côté du FC Épany Metessi, donc ce samedi 29 février. Donc voilà, donc c'est une information très importante. Donc peut-être pour ceux qui voulaient se rendre à ce loto. Et puis il y a une autre info aussi avec cette fois-ci, c'était le dimanche, donc ce dimanche 1er mars, avec un tournoi de poker qui était organisé notamment par le FC Épany Metessi, qui annule également ce tournoi de poker. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sur leur page Facebook donc du FC Épany Metessi. Donc ils ont mis ça il y a à peu près 20 minutes de cela, donc n'hésitez pas à aller sur leurs réseaux sociaux. Et puis aussi, on va se rendre du côté de la BAM de Sillingy, où il y a justement le coronavirus qui a fait qui a sévi donc depuis hier, avec le club sportif de la BAM de Sillingy qui annule sa soirée magique bien entendu en raison donc de ce coronavirus. Donc c'était organisé par le club sportif de la BAM de Sillingy, donc qui, je vous rappelle, qui a donc annulé son événement de la soirée magique qui était prévu ce samedi 29 février. Donc voilà, donc de nombreuses informations. Pour l'instant, on n'en sait pas plus à 18h05, s'il y a d'autres événements qui seront annulés dans les villes et villages. Surveillez leur page Facebook, peut-être ils vont communiquer via les réseaux sociaux. Donc pour l'instant, pas d'autres événements actuels en ce vendredi 28 février. Donc pour donc ce week-end notamment, donc ces différents événements, je vous rappelle, qui sont annulés du côté de Épany Metessi
et donc aussi du côté de la Balme de Sillagy, où il y a bien sûr l'épicentre, on peut dire, du coronavirus en Haute-Savoie. D'autres événements qui sont quand même maintenus pour l'instant, donc on vous dit ça vraiment, on ne sait pas trop d'informations, notamment avec le loto de Chavanneau en Haute-Savoie. Il est maintenu pour l'instant à cette heure-ci, en ce vendredi 28 février. Il a lieu demain soir avec le début des parties à partir de 19h30. Donc c'est avec de nombreux voyages à gagner, une télé Samsung, un vélo électrique, des PS4, des Switch, donc plein de bonnes choses à gagner. Donc c'est du côté de la salle polyvalente du Crédesti, donc du côté de Chavanneau. C'est donc ce samedi 29 février. Du côté de Frangy, il y a aussi un loto qui est un Frangy qui est pas très loin de la Balme de Sillagy. Et ben pour l'instant son loto est maintenu. C'est organisé par le Football Club de Frangy ce samedi 29 février à la salle Métengier de Frangy, avec un voyage, des TV panier garnis à gagner et de nombreux lots. L'ouverture des portes est à 19h et début des parties dès 20h30. Donc pour l'instant ce loto est maintenu par le FC Frangy. Je vous invite à visiter leur page Facebook pour avoir plus de renseignements peut-être dans les prochaines heures. Allez, on va du côté de Bellevaux, on s'éloigne un petit peu avec du côté de Irmintaz, ce samedi 29 février, les 80 minutes chrono. C'est la 8e édition avec une course de ski alpinisme qui aura lieu en relais par équipe de 2. Donc c'est un rendez-vous, hein, si vous voulez y participer. Les bénéfices de la coupe seront versés à l'association Hip Hop, donc pour cet événement. Donc ça sera du côté de Bellevaux. D'autres événements avec le Blind Test ce samedi 29 février, avec une soirée de fin de saison avec le foyer ski Rome du côté de Nancy-sur-Cluse. C'est à partir de 19h30 avec début du Blind Test dès 20h30 organisé par l'association Duo des Fayards. Donc pour l'instant, ces événements sont maintenus à l'heure actuelle. Le carnaval, c'est cette fois-ci du côté de Villars, en fait, qui sera ce samedi 29 février dès 16h30 avec une projection donc de films, un carnaval cinéma, pourquoi pas, avec le voyage du docteur Dolittle, et avec une tartiflette géante aussi sera présent donc durant cette journée, avec animation, avec buvette, concours de déguisement, feu d'artifice. Donc pour l'instant, cet événement est donc maintenu du côté de Villars, pour ce carnaval ce samedi 29 février. Et oui, c'est l'époque des carnavals, hein. Il y a beaucoup de carnavals, notamment ce dimanche 1er mars du côté de Cluses, avec un départ de 15h. Pour l'instant, le carnaval du côté de Cluses est maintenu. Donc, je vous rappelle, 18h09 en ce vendredi. Pour l'instant, donc le carnaval de Cluses est maintenu avec une arrivée à 17h au centre-ville, au parking Antoine. Donc, c'est en Haute-Savoie, donc Cluses, pour son carnaval, donc c'est pour cette édition 2020. Suliski Trail 2020, ça sera du côté de Manigo, au massif du Sulinde. Ça sera ce dimanche 1er mars, avec une nouveauté, parcours de ski alpinisme découverte. Donc c'est ce dimanche 1er mars, du côté du massif du Sulinde, du côté de Manigo, c'est en Haute-Savoie. Tuzy, le premier dimanche de chaque mois, un marché des producteurs à la place de l'église. Donc c'est ce dimanche de 10h à 13h aux heures d'ouverture du café. Et n'oubliez pas, tous les jours, dépôt de pain du côté de ce marché des producteurs sur la place de l'église de Tuzy. Super Loto qui est pour l'instant maintenu ce samedi 29 février à 19h30. Ça sera donc au centre d'animation de la Rochette de Valjon, c'est en Savoie, avec 5 électroménagers à gagner. Vous aurez un cook expert, un week-end en amoureux, plein de bonnes choses à gagner. Donc c'est le loto ce week-end, ce samedi 29 février dès 19h30. Vogue des bugnes du côté de Amézin ce dimanche 1er mars. C'est avec la buvette et vente de bugnes dès 10h, avec animation et musicale à partir de 14h, avec une balade de poney et de jeux. Donc c'est du côté de Amézin, donc ce dimanche 1er mars. Tête de veau, sapeur-pompier qui organise ça, c'est du côté d'Artemar. Ça sera ce samedi 29 février 2020 à partir de 8h à la caserne des pompiers d'Artemar. Et un super loto ce samedi 29 février, cette fois-ci dans le département de l'Ain, du côté de Culose à la salle des fêtes. Une semaine au soleil à gagner pour deux personnes, c'est pas mal, avec un loto qui ouvre ses portes à partir de 19h. Donc petite restauration et buvette bien entendu. Donc pour l'instant ces événements aussi dans le département de l'Ain sont maintenus.
Et puis on termine avec du côté de Virigna, ce samedi 29 février à la place de la Liberté, Gio Polenta et vin chaud à partir de 9h avec l'amicale des sapeurs-pompiers de Virigna qui organise donc cet événement. Voilà pour ces événements donc maintenus hein, donc dans les Pays de Savoie, en Savoie, en Haute-Savoie et dans le département de l'Ain. Je vous rappelle que de nombreux événements sont annulés, notamment le carnaval vénitien d'Annecy qui devait se dérouler donc le 6, 7 et 8 mars prochain. Annulation aussi également, voilà, vous pouvez voir à l'antenne donc le tournoi de foot en salle du côté de du FC Epany Metessi qui organisait ça donc en raison du coronavirus. Et puis vous avez aussi le Super Loto qui avait lieu demain soir du côté d'Epany, qui est également donc annulé aussi à Epany. Et puis aussi un autre événement, c'est donc aussi le 1er mars avec le tournoi de poker toujours organisé par le FC Epany, qui est également annulé. Et puis aussi on vous rappelle aussi que le club sportif de la Bande de Sinagie qui devait faire sa soirée magique demain soir ce samedi 29 février a bien sûr annulé cet événement en raison du coronavirus. Donc voilà pour l'instant ces événements. Et aussi donc je vous rappelle le carnaval vénitien d'Annecy, c'est la grosse information du jour. Donc il devait se dérouler les 6, 7 et 8 mars prochains et a été annulé par la préfecture de Haute-Savoie, par la mairie d'Annecy et par l'association Aria 74. Voilà pour ces informations assez importantes quand même qu'on voulait vous communiquer. Vous pouvez quand même vous envoyer vos événements sur notre page Facebook de la Place du Village et notre messagerie Instagram. Donc n'hésitez pas à nous envoyer avec si possible l'affiche de votre événement. On fera un plaisir de vous le communiquer donc à l'antenne. Les réseaux sociaux de la Place du Village avec plus de 330 000 abonnés sur Facebook. La chaîne YouTube de la Place du Village également aussi. N'hésitez pas à aller dessus. Et puis Instagram aussi hein, qui en atteint bientôt les 20 000 abonnés. Voilà, donc une belle succès. Merci à vous tous également de votre fidélité. Voilà, on se quitte sur des images de la Clusaz. La Clusaz avec donc du ski acrobatique qui aura lieu ce lundi qui approche. On va se quitter avec ça et sur ces belles images de glisse, donc plutôt assez sympa. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel agenda des Pays de Savoie. N'hésitez pas, bien sûr, à nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux. Donc, durant ce week-end. Merci à vous tous. Bon week-end avec la Place du Village. À bientôt. It's about to get crazy.